Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour le début de saison 2023-2024 avec la JOCR. Donc nous voici. Donc alors je vais être honnête avec vous, j'ai changé la tactique parce que là ça n'allait pas du tout. Fin de saison c'était une catastrophe. Donc là j'ai fait la lessive. Moi j'ai vendu et j'ai acheté. Voilà. J'ai acheté pour 22,5 millions et j'ai vendu pour 12,5 millions. Alors, on va passer par les ventes. J'ai vendu. J'ai vendu Soumaré 5,5 millions à Bruges. J'ai vendu Boudouaï 2,8 millions à Zaringhem. Autré aussi à Zaringhem. Pélissard, j'ai vendu 2,1 millions. Géorgien, j'ai vendu 1 million. Danois, j'ai vendu 1 million. Touati, j'ai vendu 145 000. Léon est parti libre et le reste, c'est que du prêt. Prêt pour 1, Galvez, pardon, Tressoldi, Elimbi, Traoré, Letton, André, Jonathan, Moret et Marchetti. Voilà. Au niveau des arrivées. Alors, j'ai eu en arrivée, j'ai acheté Chirivella. Voilà, 3,3 millions. Il est déjà blessé d'ailleurs. Doucouré, que j'ai eu en libre, qui vaut 2,7 millions, formé à Paris. André, bah, que j'ai prêté. Hein, voilà. Donc c'est lui que j'ai prêté. Ensuite, Rodriguez, que j'ai acheté 2,5 millions à Guimarães, la jeune de 18 ans. Carraro, que j'ai pris au Standard de Liège 4,1 millions. Un bon meneur de jeu en retrait. Lui, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne l'ai plus, je ne l'ai pas gardé. Et lui non plus. Donc je vais passer à lui. Garcia, que j'ai pris à Atlético de Madrid. Voilà, défenseur droit. Rovaglia de Vérone. Voilà. Un attaquant avancé et Raphaël du Stade Rennais 1,6 millions. Bon, certes, il a 33 ans, mais je trouve qu'il a des bonnes stats encore, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, j'ai déjà fait quelques matchs. Voilà, donc les matchs amicaux, ça s'est pas trop bien passé. Ensuite, on a commencé par Nîmes avec un 0-0 à l'extérieur, à domicile, pardon, à domicile. Ah! Ensuite, on a fait match nul à Paris, 2 buts partout. On égalise à la 79e. On a eu chaud. Ensuite, première victoire de la saison. 4 buts à 2 contre Rennes. Donc, on perdait déjà 2-0 au bout de 25 minutes. Begraoui a marqué le premier. Doucouré en a marqué deux autres. Et Hales en a marqué le quatrième but. Voilà. Là, on va jouer à Strasbourg. Ensuite, on va contre Marseille, Saint-Étienne, Lens, Bordeaux. Et vu que nous sommes plus on n'est plus en Coupe d'Europe cette année, donc qu'on a fait une neuvième, on va rouler tranquille. Hein. Il y aura ça et la Coupe de France. Donc voilà. Je joue en 4-4-2 en losange. Alors, au départ, ces joueurs-là, ils étaient prévus là. Mais ça n'allait pas, ils avaient un trou énorme. Du coup, je les ai mis là en ailier défensif pour pas qu'ils montent de trop, pour pas qu'ils voilà, qu'ils restent dans ce coin-là, pour pas que ça fasse un trou. Donc, j'ai mis comme ça. Donc, voilà, c'est comme ça que je vais tourner. Il y a du rouge, ne vous inquiétez pas. Le rouge est parti. Voilà, comme ça, il n'y a plus de rouge, on ne va plus s'inquiéter. Pour l'instant, les joueurs ne sont pas trop habitués à la tactique, je vous dis sincèrement. Donc, pour l'instant, on est à peu près correct, mais. Jordao, il n'est pas encore habitué et Peter Puzic n'est pas habitué non plus à être ailier droit, moins ailier défensif gauche. Donc le temps que ça se fasse, ça va être compliqué, mais bon, j'ai pas trop le choix. Hein. Je comptais pas le vendre non plus, Puzic, hein. Très bon joueur d'ailleurs. Bah donc c'est un effectif rétréci, on va dire, parce que voilà, vu qu'on n'est pas en Coupe d'Europe. On va pas s'enflammer avec les joueurs. Du coup, j'ai préféré réduire
et me concentrer plus sur les titulaires, comme ça c'est d'avoir trop de joueurs, en espérant que je me plante pas de nouveau. Donc voilà. Jubal, Doucouré, Boto, Raphaël, Carraro, Puzic, Jordao, normalement c'est Mercier qui est là, mais Mercier il est blessé pendant 2 semaines au moins. Ayès, il est là normalement, donc en suppléant c'est Ismaël. Puzic, son suppléant c'est Hamza Saki ou Tamari, voilà qui est là. Ou Hamza Saki va là, tout dépend. Ouais, il y a plusieurs postes qui peuvent ils peuvent permuter. Carraro, hein, lui, ça sera Chirivella, mais pour l'instant, lui aussi, il est blessé, encore 3 semaines. Donc, on va essayer de modeler tout ça. Et donc, là, on va jouer contre Strasbourg à la Méno. Et là, c'est parti. Donc, moi, bah, l'effectif, la tactique, j'avais déjà faite. Je vais enlever le 4, là, comme ça, voilà. Donc, c'est comme ça que je vais tourner cette année, en espérant que je ne vais pas me planter. Comme à chaque fois. Allez, on valide. Ah, il veut le numéro 2. Ah, bah, t'as pas de chance. T'auras le numéro 3. Faut pas y venir avant. Bon, pour l'instant, il y a 8 joueurs qui se connaissent pas du tout la tactique, forcément. Ça coince. J'espère que je vais pas me planter. Oh là 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 là, c'est vraiment la hantise de se planter. Je marquais bonne chance, vous en aurez besoin. Voilà, coup d'envoi. On est bon? Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, on y va, hein? Let's go. Alors, j'ai vu contre Rennes. Attendu la passer avant. Ah. Oh là 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 là. Pourquoi il n'a pas passé un tout petit peu avant? Allez, on reprend. Il a marqué un de ses buts avant contre Rennes. Oh, Bub! Bon là, on est poisson, on est 8e. Allez, c'est bien, c'est bien. Il y a la pression là, il y a la pression. Hein. Allez, non? Pas penalty là. Non, bah non. Non, bah non. J'ai Badiachil qui est revenu de près. Mais pas de chance, il est blessé. Donc, du coup. Et, ouais, premier but. Premier but de Rovaglia qui est hors jeu. Est hors jeu. Fais voir. Fais voir. Fais voir. Ouais. Limite, hein, je préfère la fine bouche, mais ça va le chat? Bon, allez, on se reprend, c'est pas grave. Allez, on reprend, on récupère la balle, voilà. Allez, Begraoui, ah! Non, mais c'est Manis avec la tête. Bon, comme vous le remarquez, il y a de la place au milieu de terrain. Allez, allez! Allez, oh. Qu'est-ce qui se passe? Coup franc. Oh là là, c'était chaud là. C'était chaud. Moi, quand je vais voir le match à Strasbourg, à la Méno, je vais là. Ici. Là, il y a le COP. Et là, je vais voir le match. Et je suis ici, moi, à côté du COP. Avant qu'elle, forcément, le huis clos. Hein. Oui, bien d'accord. Allez, c'est bien, il reprend, il reprend. Allez, allez. On est 10e. Après, c'est le début. Pas s'enflammer, quoi. Hein. Bon, voilà. Pour l'instant, il n'y a rien. Bon, ça va. Hein. 9 tirs, 2 cadrés. Eux, ils ont 2 tirs à cadrer. Après, je suis tombé des fois contre les. Je tirais comme un fou et puis je marquais pas un but. Et puis les autres arrivaient, bum bum.
Mais bon. Allez. Allez. Oui, eh, là il y a but. Bien joué. Ah, il marque pour sa première apparition. Adjoubal. Pour Raphaël, eh, j'ai bien fait de le prendre, Raphaël. Hein. J'ai hésité. Hein. Je lui ai dit, 33 ans, c'est pas dans ma politique. J'ai dit, hop, oh, attends, faut arrêter quoi. Il faut aussi un peu de. Il faut de l'expérience aussi un petit peu parce que ça va pas suffire. Hein. C'est bien les jeunes, mais. Si on veut montrer autre chose, il faut moins d'expérience un petit peu. Allez, on récupère, faut récupérer là. Allez, allez, Megraoui. Allez, vas-y, allez, Megraoui, vas-y. Oui. Ce troisième but. Ah là, il est parti. Il est parti, on ne le reverra plus jamais là. Bien joué! Voilà, on sent 2-0. Allez! Oh, dommage. Il faut y la reprendre. On est passé quatrième. Corner, but. Non. Alors récupère. Allez, bien joué. Allez, Boto. Musique. Carraro. Boto. Ah, dommage, Boto. Belgrade. Belgrade. C'est Bellegarde. Excusez-moi. Belgrade. Allez. Ah, allez. Allez, Raphaël. Ah, dommage. Corner. Bien joué. Non. Bien joué. Bien joué. Allez. Doucouré. Eh, ça allait où, Doucouré, hein? Bien joué, le gardien. Allez, encore. Là, il y a la pression quand même. Hein. Oula, là, c'est pas bon. Contre-attaque strasbourgeoise. Est-ce qu'il a fait une faute? Ah, il a temporisé, là. Ah, bien joué. Il a trop temporisé. 16 tirs, cette carrière, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Hein. Parce que les dernières, c'était pas eu de voix, ça. Oh, dommage. Allez, allez, Begraoui. Oh. Allez, musique. Allez, on le gêne, on le gêne, on le gêne. On le gêne. Ah, ouais. Rémi Cabella. Oh. Ah ouais. On a bien joué. T'as vu? T'as vu? Il manque un but. Hein? Allez, on va passer sixième. Lyon qui est premier. Avec 10 points. Il y a 0, ils font 0-0 contre le PSG. PSG qui est 7e avec 8 points également. Bah oui, ils ont quoi, deux victoires et deux nuls, je crois. Ouais. Allez. Je vais mettre changer de joueur. Mettre sur pause vite fait là, parce que. Alors je vais mettre. Je vais enlever Begraoui. Je vais mettre Rodriguez. Je vais mettre Ismaël. Et là, je vais mettre. Tamari. Tamari. Ouais, et là aussi, ils sont crevés. Hein. Ils sont fatigués, les mecs. Hein. Allez, on récupère quand même. Bien joué. Allez. Allez, Jordao. Ah. Allez, allez Raphaël, bien joué Raphaël. Il est. Il a été hors jeu et tout, maintenant je vais me méfier. Son deuxième but, Rovaglia. Je l'ai acheté 6 millions, je crois.
Ah ouais, il est revenu sur lui, voilà. Et ben voilà. Ah, ça fait plaisir, hein. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu mon équipe jouer comme ça aussi intensément. Ouais, fini. Ah, je dis bravo. Félicitations. Parce que autant l'année dernière, bah, c'était une catastrophe, mais alors là. Bravo. Nickel. On est prêt pour jouer contre Marseille, du coup. Parce que là, ça va être pas la même paire de manches. Bon, on est cinquième. Bah bon, ils ont fait 0-0, je pense. Hein. Ouais, 0-0. Rennes a gagné 2-0 contre Reims. Nice, un partout contre Dijon. Nîmes a gagné 2-1 contre Caen. Montpellier, un partout contre Lorient. Marseille, 4-0 contre Lens. Lille 3-0 contre Nantes, au passage Nantes est dernier avec 0 points. Saint-Étienne-Bordeaux 1 partout et Monaco-Brest 0-0. Pour l'instant, on fait une bonne figure. Hein. Pour l'instant, on est bon là. Là, on est bon. Hein. Ouais, franchement. Je suis vraiment ravi d'avoir pris lui. C'était lui ou. Comment il s'appelle l'autre Kadewere. C'est ça, hein, Kadewere, celui qui joue à Lyon actuellement. Mais j'ai préféré lui, qui était plus cher, certes, mais il avait 22 ans. Kadewere, il a 27 dans le jeu, maintenant. Et je préférais lui, parce que lui, c'est quand même plus l'avenir. 22 ans, je dis pas que Kadewere, c'est pas l'avenir, mais bon. Je suis pas sûr d'en tirer grand-chose après pour, au niveau de l'argent. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris lui. Il m'a coûté un peu plus cher, certes, au niveau salaire et au niveau transfert, mais je ne regrette pas pour l'instant. Pour l'instant, on est bon là. Hein. Donc voilà. Écoutez, bah, moi, je vais vous laisser. Hein. Bon, vous pourrez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les transferts que j'ai faits, si c'est un peu farfelu ou si c'était logique. Ou dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez fait comme. De votre côté, votre carrière aussi, si vous avez pris Auxerre ou autre. Et voilà quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Calendrier, voilà. Bah nous, on va se retrouver. On va se retrouver, on va se retrouver. On va se retrouver. Bah, peut-être pas Strasbourg, parce que voilà. Bah contre Marseille, voilà. On va se retrouver le 10 février à Marseille, au stade de Vélodrome. Orange Vélodrome, pardon. On fait comme ça? On se retrouve là-bas? Allez, tous au Vélodrome? On fait comme ça? Bah, allez. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes. Hein. Et faites attention à vous. Hein. Pas plus de 6 adultes. Allez, 6-7. On va pas chipoter non plus. Là. On est tous des grands enfants, donc c'est bon, hein, ça passe. Ouais, faut qu'ils arrêtent leur délire. Hein. Mais bon, c'est pas mon problème. Bon, moi, je vous dis à très vite. Allez, portez-vous bien, faites gaffe à vous. Hein. Et buvez un verre après l'autre. Et pas une bouteille après l'autre. Hein? Ça sert à rien. Parce qu'il faut en laisser pour les autres. D'accord? Allez, ciao tout le monde.